Alors, bonjour Louis. Bonjour Hervé. Alors, même si on s'est vu aujourd'hui, on a fait une journée sur le compte, à Ornans, en Franche-Comté. C'est Portrait Sauvage. Allez, on y va. Donc, j'ai des questions un petit peu sur ton histoire à toi. Si je te traite de sauvage, déjà, ça te vexe ou pas? Oh, vexé, non. Ça va? Dans Portrait Sauvage, c'est un petit peu des moments sauvages ou de liens sauvages que tu as eu toi. On va dire, si je te demande de remonter le temps dans ton enfance, j'aime bien ça. Est-ce que tu aurais un... C'est quoi tes premiers souvenirs de liens sauvages qui t'ont fait quelque chose? Ou plus loin que tu puisses remonter? Alors, qui m'ont fait quelque chose dont j'ai été conscient, ça a été très très long. Je me souviens de... J'avais 18 ans ou 19 ans. Et je revenais d'une nuit à la belle et je me suis retrouvé devant une fleur d'asphodèle, un bourdon qui arrivait sur la fleur d'asphodèle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu quelque chose qui n'était pas dans de l'action, mais qui était dans de l'émotion. Et je me suis entendu me dire, mais c'est beau. Mais j'avais déjà 18 ans. Ouais. Avant... Je ne me suis jamais posé une question de type émotionnel ou autre. Ou un souvenir, ça peut être un souvenir d'un moment fort. Mais j'étais dans l'action. Il n'y avait que l'action qui m'intéressait et je ne me posais pas d'autres questions ou je n'avais même pas d'autres... Et si on monte au plus loin des actions, tu devais faire quoi quand tu étais tout petit dans ce lien sauvage? C'est sûr qu'il y a deux moments clés. Il y a Rignac chez Pépé et Mémé. Voilà, les vaches, un peu les brebis, ouais. Et puis des conneries, barrages, grimper dans les arbres, me casser la gueule. Voilà, c'est plus un rapport à la campagne et à l'animal domestique. Le premier temps, c'est vraiment ça. C'est là-dedans, c'est avec ce bagage culturel et émotionnel que je suis rentré. Puis après, il y a eu une bascule énorme. Il y a eu... deux ou trois ans presque dramatiques, si on peut dire, où j'ai été projeté dans la ville nouvelle d'Épernon, dans une cité. Oui. Et pareil, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai souffert parce que j'étais coupé de la nature, si on peut dire. C'est le manque qui a Ah, le manque terrible. J'avais réussi à monter dans un ouestier. Ce n'est pas facile de monter dans un ouestier. Hein. Monter dans un ouestier et de loin, je voyais des chevaux. Mais je voyais de loin des chevaux. Et j'ai un souvenir extraordinaire. Et là, j'étais pas vieux. Hein. J'avais une douzaine d'années, un truc comme ça. Quoi. Me voir partir d'Épernon, marcher dans la Beauce, marcher. Avec, j'étais pas équipé pour, j'avais un espèce de gros manteau de felcote ou je sais pas quoi, marron. Et puis j'étais vraiment un petit bonhomme perdu dans la Beauce avec des champs labourés de chaque côté. Il y avait un bosquet ou un petit bois très très loin. Et vu l'horaire que mon papa et ma maman ils m'avaient donné pour partir tout seul, j'ai compris que je ne pourrais jamais arriver jusqu'à ce petit bois. Et je me suis senti, alors ah oui, si, émotionnellement, là, ça m'a marqué parce que j'étais malheureux. J'étais un petit gars... de la campagne, je sais pas, mais j'étais un petit gars qui était paumé dans cet univers et j'étais malheureux. Et puis la bascule, ça a été qu'on est passé d'Épernon à Rambouillet et que Rambouillet, il y a 13 000 hectares de forêt et il y avait des scouts. Et là, voilà, le vélo, alors je le raconte toujours, mais je le raconte. Les parents, ils avaient droit au troisième week-end du mois. Voilà, mais donc les quatre autres week-ends du mois, c'était les scouts. Tous les jeudis de l'époque, puisque ce n'était pas encore le mercredi, c'était les scouts, c'était le sac à dos sur le porte-bagages du vélo, c'était monter la fameuse Côte de Paris, hein, qui était... Et puis tu filais. Voilà, et puis après on filait, camper, faire du feu, et puis approcher les cerfs et les biches, et ramper, et choses comme ça. Voilà, et là j'ai basculé effectivement dans la nature sauvage, avec le goût de connaître et ce goût qui m'est resté quasiment définitivement du pistage et de l'imagination concrète, c'est-à-dire de voir
une empreinte et puis de raconter une histoire à partir de là. Est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, est-ce que c'est un vieux, est-ce que c'est une jeune, est-ce qu'il est en temps de rut, est-ce qu'il est, voilà. De pouvoir raconter une histoire à partir, une histoire vraie à imaginer, quoi, à partir d'un indice. Et ça, c'est définitif pour moi. Alors, c'est peut-être en lien avec la question suivante, c'est, si tu continues dans ton histoire, est-ce qu'il y a un moment où t'es passé, tu t'es dit, je passe de l'enfance à l'adulte? C'est un peu comme dans ces peuples traditionnels où il y a des initiations qui se passent des fois dans la nature ou qu'on se fabrique soi-même. Moi, personnellement, j'avais descendu la Loue, la rivière qui est derrière nous, en canoë, de la source jusqu'au bout, jusqu'au Doubs, parce que j'avais besoin, vers 15-16 ans, de vivre un truc qui me fasse passer à l'adulte. T'as pas eu une histoire comme ça? Non. Ça s'est fait progressivement? C'est dans ma tête, c'est tout du progressif. Il y a un truc marrant. J'ai jamais eu d'émotion particulière aux dizaines. Voilà. Le fait d'avoir 20 ans m'a laissé complètement joyeux et indifférent. Le fait d'avoir 30 ans m'a laissé complètement joyeux et indifférent, etc. Voilà. Il n'y a que là, pour mes 70 ans, où je me suis aperçu que j'étais vieux. D'accord. Et effectivement, mais c'est pas parce que j'ai 70 ans, je crois que c'est parce qu'il y a eu un tas de phénomènes physiques qui ont fait que... Mais sinon, voilà, j'ai pas des trucs comme ça, j'ai pas des points de bascule, je crois pas. Peut-être qu'en réfléchissant, je finirai par en trouver, mais j'ai pas de... Ouais, mais c'est spontané, hein, c'est ce qui vient là. Voilà. Et là, deux moments, je te propose de nous raconter, qui peut être il y a pas longtemps, c'est un moment fort, magique, puissant, de lien sauvage, mais avec du bonheur, et un moment plutôt galère. Est-ce que tu en as deux qui viennent là autour? Alors, je m'excuse, mais ce qui vient maintenant, c'est les galères plein avec les brebis. Hein, voilà, si je suis équipé comme ça, c'est parce que la flotte dans la gueule, ça m'amuse plus. Et oui, de cet été, tous les étés, il y a des moments où on en chie, hein, des moments où on dit qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que... Voilà. Ouais. Et j'ai écrit des trucs sur métier de roi, métier de galérien. Voilà. Et puis, métier de roi et des moments forts et extraordinaires. Voilà, là, c'est toutes ces années-ci. Il y a eu d'autres choses avant, mais depuis 10 ans, c'est des moments avec les brebis où tu vois que tu bascules, que tu deviens berger et que ces bêtes extraordinairement intelligentes au niveau du non-verbal, et bien, t'as réussi à créer des choses qui fait que... Voilà. Et une des grandes émotions que j'ai eues une fois, c'est... j'avais toujours entendu berger en brebis laitière avec ce qu'on appelle les bascos béarnaises. C'est pas comme avec les moutons viande ou autres, parce que quand t'es avec des bascos, toi tu vas devant et derrière elles te suivent. Et puis je me vois arriver à Cujalarotte, là c'est un petit pâturage ou autre, et puis il faut batailler un peu pour passer un ruisseau, puis je passe de l'autre côté du ruisseau, du torrent si vous voulez, avec après les premières brebis, puis je revais devant et puis elles commencent à me suivre, et je me retourne, et c'était comme si c'était une aiguillée de laine, c'est-à-dire j'avais 400 brebis qui étaient alignées. J'étais devant et derrière, elles me suivent. Ça a été un moment extraordinaire. Et puis, j'en ai vécu un ou deux aussi cet été, où j'ai compris que je les avais compris et que maintenant, je pouvais les amener, pas toujours, mais assez souvent, par le bout du nez, où je voulais, quand je voulais, si je prenais le temps, et sans jamais ce qu'on appelle un coup de chien. J'ai passé une journée entière où il n'y a pas eu un coup de chien ni un coup de gueule. C'est bon signe. Et elles ont fait tout en douceur, quoi, tout en fluidité, en souplesse. Et ça, c'est des bonheurs. Alors si on va un petit peu avant, bien sûr, c'est les moments ours, hein, c'est sûr quand même qui surnagent. pas forcément maintenant, ça avait été très fort sur le moment, les moments d'observation, puisque en plus j'étais tombé sur la maman et les oursons, les jeux des oursons, donc ça avait été plutôt très fort. Mais je suppose que ce qui me restera le plus définitivement, c'est avoir vécu une journée entière
des amours de Canel et Papillon, de deux ours que je connaissais, avec tout le travail, tout avoir, et puis des épisodes absolument délicieux de Canel qui arrive près du torrent, puis qui dit « Oh non, là, moi j'ai pas envie de me mouiller les papates ». Le Papillon qui arrive, pauvre, qui passe tout droit, et tu vois qu'il s'est trempé la gueule parce que t'as toutes les traces qui sont mouillées ou autres. Et puis en fait, alors ça, tu reconstitues après, quoi. Ouais. Et puis, ah merde, et puis hop, tu la vois qui part sur le côté, comme ça, là. Et puis, hop, ça y est, elle est de l'autre côté, toute propre. Et en fait, tu t'aperçois, il y a juste le nez d'un petit rocher au milieu du torrent. Et la cannelle, elle n'a pas mouillé ses papas. Ah ouais. Voilà, tout ça. Et puis, bon, mais t'imagines, ou vous imaginez la salle des ébats, avec les draps froissés, ouais. Avec la signature des poils du vieux Papillon noir, moucheté de blanc à la fin, et puis les poils de couleur cannelle, de cannelle, les draps froissés, la vue, ils avaient choisi une chambre nuptiale, mais avec toute la vue sur toute la vallée, de luxe. Etc., etc. Plein d'histoires comme ça, et puis peut-être l'apothéose, c'est donc un an et demi après. Je me souviens toujours, c'était pas un 14, c'était un 15 juillet. Je redescends de travailler en montagne, pour que je ne me rappelle pas du tout ce que je faisais. Voilà, petit short raduc, etc. Je ne m'étais même pas encore déshabillé. Il y a le téléphone qui sonne. Je décroche. C'était Popol Domecq. Allô Louis ? Oui, t'es le parrain. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es le parrain. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et en fait, il avait trouvé, il était monté sur un dégât assez original d'ailleurs, parce qu'il avait pété un cochon, ce qui n'était quand même pas habituel. Non. Et en fait, c'était Canel. Et donc, il y avait les traces de Canel, puis à côté, il y avait des petites traces comme ça. Et donc, voilà, j'avais bien tenu la chandelle pour les amours en direct, quoi, de Canel et Papillon qu'avait fait le petit. Et voilà, ça c'est, je crois que c'est presque plus d'émotion que la vue de maman ours et des oursons, quoi. Ok. Et pour terminer, parce qu'il y a Cali qui a jappé pour dire qu'il était temps, ouais. Parce que c'est assez rapide. Ah d'accord. Dans le lien au sauvage, pour le futur, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme lien au sauvage qui te manque encore, où tu dis tiens, ça j'aimerais le vivre, c'est pas encore arrivé. Pour se projeter dans le futur, lieu, un contact, quelque chose qui te manque, où tu dis ça, j'aimerais bien. Alors, c'est très très net. J'aimerais bien marcher sur les traces d'Auguste, qui est un berger, qui est monté à 2h30 de marche jusqu'à ses 79 ans. Dans la marge. Hein, et voilà, mon bonheur, le bonheur absolu de l'avenir, c'est continuer à monter avec les brebis et à vivre surtout la partie, pas tellement la partie production, traite, fabrication, etc. Mmh. Mais la partie conduite tout seul dans ma petite cabane, vivre ça encore une dizaine d'années, ça serait... voilà, c'est ça mon objectif. Et puis c'est un vrai objectif, c'est... Il y a intérêt, donc j'ai fixé 4,75 dans un premier temps, en espérant qu'à 75, je pourrais monter le challenge de 5 ans de plus. Quoi. Ok, mais j'espère que ce vœu se réalisera. Ah mais toi. Je veux. Mais pour l'instant, c'est bien parti, en tout cas, au moins pour cette année, ça y est, les patrons, ils m'ont rembauché, et dans 2 mois, par out. D'accord. Alors juste, voilà, et je suis comme Auguste, justement, un jour je trouve Auguste à l'automne. Quand la montagne est noire, comme on dit, en fait, quand elle est beige, hein, c'est que toute l'herbe a cramé et qu'il va être temps de descendre. Et il y avait Auguste, lui, il était beaucoup plus petit que moi, il était tout crouchide, puis je ne peux pas tout raconter, mais puis il avait un petit béret. Moi, j'ai un grand béret, lui, il avait un petit béret comme ça, là. Il était appuyé, je trouve, puis on commence à bavarder, puis à un moment, il me dit, tu sais, Louis, j'ai dit, lui, je suis comme les hirondelles, hein. Je suis comme les hirondelles. Maintenant, là, il ne me tarde qu'une chose, c'est tabache, c'est vers en bas. Mais je sais que ce printemps, je suis comme les hirondelles, il ne me tardera qu'une chose, c'est out. Et voilà. Et Auguste, c'est une merveille. Et si je peux être un petit peu le plus longtemps possible dans les pas d'Auguste, voilà, c'est un grand, grand bonheur. Comme les hirondelles.
Ok, merci Louis pour cette fin. Tu parlais d'un livre que tu as écrit, tu as écrit plein de choses. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo plein de petites références pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi. Hein. Et puis il y a plein d'autres vidéos où tu racontes plein de choses. Ouais. Donc merci à toi Louis, et puis une prochaine fois. Alors peut-être justement c'est sorti cet après-midi là. Il y a un livre auquel même des fois je ne pense pas. Et qui est certainement là, et qui est un tout petit livre, et qui est peut-être une des meilleures introductions où il y a plus tout moi, si on peut dire. C'est un tout petit bouquin qui s'appelle « Laissez-les grimper dans les arbres aux presses de l'Île-de-France. Voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais finalement, c'est dans ce tout petit livre-là qu'on t'a le plus rencontré. Voilà, okay. Donc pour une fois, j'essaye de faire un peu de pub pour ce tout petit livre. T'as l'espace pour ça. Voilà. Ok, et merci. Et puis c'est important parce que avec ça, je gagne au moins 1 euro tous les 2 ans. Quoi, hein. Donc économiquement, c'est intéressant. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je leur ai dit, bon, arrêtez de m'envoyer les 50 centimes ou les 3 euros. Voilà. Donc j'ai fait don, pas de mon corps, mais j'ai fait don de mes droits d'auteur. C'est surtout transmettre l'idée, le ressenti, les messages qu'il y a dedans qui sont importants. Voilà, pas les ressentis, mais les messages sur... Merci Louis, et puis à une prochaine fois. Allez, au revoir.